Salut à tous, ici Curion, bienvenue pour l'épisode 2 de la campagne française en Espagne sur la péninsule, sur Napoléon Total War. Donc là, je me suis mis dans un coin de la carte parce que j'ai encore le bruit bizarre qui se faisait de temps en temps dans le jeu. Donc en se mettant ici, il y a moins de bruit. J'espère que ça s'arrêtera avec le passage de tour. Alors, bon, au niveau des armées, j'ai envoyé celle qui était ici à Saint-Jacques-de-Compostelle sur Coimbre. J'ai regardé un peu ce qui fabrique des troupes, enfin des bonnes troupes. Donc on a Madrid, ici on voit avec le recrutement. On a pas mal de villes qui font ça, la plus intéressante étant ici, en France, où on peut avoir de la Légion polonaise, l'artillerie à cheval, mais bon, il faut traverser les Pyrénées après. Je commence à essayer de regrouper les troupes. Et bon, au niveau des personnages, ici les provocateurs, et ceux-là, ça va être important. Parce que là, j'ai regardé, je vais vous montrer après. Succès, ouais, bien joué. Donc c'est ouf. Ici, dans les recherches, on est sur bon, du financement. Donc là, c'est pour avoir de l'approvisionnement militaire. Ici, pucins de bonheur dans toutes vos régions. Ok. Là, c'est sur les provocateurs. Encore la provocation. Donc on est principalement sur un arbre technologique qui nous permet de développer les provocateurs. Alors ici, est-ce qu'on a de l'argent qui rentre? Ouais. Donc, à un moment, il faudra peut-être faire des bateaux. Mais pour l'instant, on n'est pas bien. On n'a pas beaucoup de sous. Ça, c'est quoi ça? C'est pas de la milice, tu y vas. Ici, on n'a plus d'armée. Toi, va par là. Ces deux-là, on va les regrouper. Oh, super, bien joué. Bon, c'était presque. Ici, il y a quoi? On peut y arriver. On va faire ça, on va attaquer. Tiradores, ça c'est des très bons tireurs. Et là c'est qui? Francisco, très bien. À l'attaque. Mais nous on n'a pas d'état-major et eux ils ont. Donc avec l'état-major ça fait deux cavaleries. On a une infanterie de milice qui sert à rien. Bon, ça va être un peu. Il va falloir jouer doucement et bien les prendre de côté. Alors, cavalerie. Ah non, on a aussi des bons tireurs. Et c'est de la cavalerie. Pourrez-vous, allez hop. Peut-être essayer un truc. Genre venir ici avec notre cavalerie pour tirer par-dessus. Il y a des troupes que je vois pas. Il leur manque. Pas des trucs de guérilla qui seraient dans mon dos. Tiens, la milice, mets-toi de dos. Pas mal. Les voltigeurs, ok. On va se mettre là.
S'il n'y a pas d'infanterie du tout, ça peut être une bonne affaire. Je vois rien sur le radar, ok, là. Hop, 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 hop. On est là. On se barre. Sinon, on va se prendre du plomb. Tiens, boum. Ça, c'est bon, ça. Une bonne partie du régiment qui est déjà foutu. Voilà. Allez, encore, encore. Bon, viens là, toi, parce que j'ai peur qu'il fasse du tirami. Bon, ils sont dans quel état? Confiant, moral. Alors, frais, moral en hausse. Pas en combat. On va avoir les tirailleurs qui risquent d'arriver. Je vais basculer ma cavalerie de l'autre côté. On peut peut-être faire la même chose. Si je fais ça plutôt. Ouais, voilà. Non, mets-toi là. Ok. Et voilà. Encore une cavalerie qui prend bien cher. Et elle est foutue. Bon, l'autre vient. Non, celle-là, elle est foutue définitivement. Donc on peut revenir là. Il n'y a même plus le drapeau. On a encore deux infanteries. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. On va se mettre là. Bon, c'est bien pour l'instant. N'importe quoi. Ça ressemble à quoi les cavaliers espagnols? Moi je les aurais vus en jaune. Bah non. Hop, on vient ici. Je me demande bien où sont les deux autres infanteries. Je pense qu'elles doivent être quand même dans le coin là. Ok. C'est léger. Un petit peu plus. Oh, on recule tout de suite. Monsieur, notre général est sous une attaque. On recule très vite. Et maintenant on vient là. C'est quoi ça? C'est des hussards, ça tire pas comme du chasseur. Hein. Tiens, boum.
Hors zone, mais ça marche quand même. C'est bien ça. Il reste quoi là-dedans? 11, 24. Mais j'aime pas cette histoire avec... Il serait pas en train de retraiter. On va prendre tout ce monde-là. On va aller se mettre en forêt. Ça c'est bon ça. C'est le régiment qui me faisait le plus peur, il me semble qu'ils sont balèzes. Tiradores et Cazadores pour les Portugais. Allez-y, massacrez tout. Ouais, c'est bien ça, il s'est barré en retraite, hein. Il est parti en retraite. Bon, je sais pas ce qui est devenu, ce que sont devenus les régiments d'infanterie que j'avais vus, à moins que je les ai rêvés. J'ai dû les rêver. On va continuer à courir après. Bon, on a encore le bruit bizarre. C'est vraiment chiant ce bruit. Alors, là, notre armée espagnole. Bienvenue. Ici. Toi, tu peux plus avancer. Toi, t'es quoi, toi? Un provocateur ici. Il y a un provocateur. Non plus, on va peut-être. Ça gueule plus. Ça gueule un peu, mais ça va. On va l'envoyer sur une autre ville. Madrid. Madrid, ils sont. Ouais, ils ont l'air contents. Teruel. 910. Et ici, combien c'est? 715. Plutôt là. Ok, alors toi, tu vas aller leur dire d'être sage. Tu peux pas, d'accord, ok. Toi, tu vas aller me flinguer ça. Encore un peu. Alors, est-ce que les armées espagnoles vont popper n'importe où, n'importe quand? J'espère pas trop. C'est qui ça? C'est le bon, la brute et le truand. Ouais, c'est de la guérilla. Ouais, donc toutes les petits spots de guérilla, faut que je les pète avant qu'ils se réunissent. Alors, ce chef inspire les troupes qui l'entourent, leur donnant c'est l'espoir du courage pour reprendre la bataille. Les unités de guérilla peuvent être déployées presque partout sur le champ de bataille, à l'exception de la zone de la déploiement ennemi ou à portée du général ennemi. Ok. Tiradores, Cazadores, ok. Bah, ils ont les deux aussi. On va faire une résolution automatique. Splurge. Voilà. Ok. Club privé, je m'en moque. Ici. Siri, non. Il y a des trucs qui se construisent, hein, ouais. Non, c'est là.
Là et là. Ok. Il me faut des sous. Ouais. Bon, je fais comment? Si j'ai d'autres armées qui arrivent, alors il faut que ça. Ça, tu viens le plus loin possible. Toi, tu vas par là. Te réunir avec lui. Et toi, tu vas te réunir avec lui. Alors, ça, c'est un. La milice. Ah non! Ah non, c'est une bonne armée, ça. Ça, c'est pas mal. On peut tenir toute la plaine ici, non? 1500, 1700, 1100, 1400, pardon. Ok, donc tout ça c'est économiquement une vallée intéressante. Madrid, bonne troupe. Là, on a une armée par ici. Alors, lui, est-ce qu'on le ferait pas? Ah ouais, il est quand même pas mal du tout même. Il va aller par là. Et l'armée de Madrid, on va les laisser là pour l'instant. Il y a aussi cette armée ici. Bah viens là, l'armée de Madrid, vous allez aller avec lui. Bon, ça va, ça tient encore au niveau au niveau approbation. Lui, je l'ai bougé, lui aussi, ici. Ouais, le temps qu'il traverse les Pyrénées, ça va prendre 15 plombes. Lui. Ok, et eh ben on peut passer le tour. Ah, j'aurais pu aller attaquer les Anglais, tiens. Oh putain. Grosse armée espagnole là. Milice, infanterie. Et là, on est sur de la régulière. Artillerie 9 livres, ok. Résolution en tout. Il met le siège, il attaque pas. Les attaquants demandent la réduction. On peut pas dire non. Il nous attaque. Ah non, il tombe dans notre embuscade. Je ne savais pas que j'avais fait une embuscade. Donc, non, il n'y avait pas d'unité d'infanterie, c'est moi qui rêvais. Ok, j'ai rien perdu. Ouais, ça a été, ça a pas été fameux. Mais bon, on est obligé de perdre. C'est où qui s'est fait tuer, lui? D'accord. Bon, là, faut que je revienne pour m'occuper de son cas, là, lui. C'est con, hein. Dommage. Toi, tu continues à aller par là. Toi, tu vas... Ouais, par là. Puis tu ramasses les troupes en chemin. Qu'est-ce qui se passe ici? On va certainement pas réparer. En perception, oui, hein, parce que là, c'est les sous. La Mercie et Valence. La Murcie, pardon. Mercie, c'est en Angleterre. Enfin, en. Chez les Britanniques. Alors, là, ça fait combien? 3.
Ça. Et ça. Ok, donc lui, il faudra un des deux qui parte. Un des deux qui devra partir. Toi, viens là, toi. Ici. Bon, au début, ça va être un peu n'importe quoi, les armées, hein. Ça brûle de partout. Manufacture. 450 de réparation. Pour. Puis les gens gueulent et ça gueule. Bon, faut que je stabilise quelque chose quand même. Quoi, hein. Comment on va faire ça? Le marché, ça c'est des sous, ça. On a plus assez, c'est bien. Toi, continue ta route. Les provocateurs, ça travaille doucement. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? On peut pas faire un petit bateau, navire marchand 840 quand même. Pour essayer d'augmenter nos revenus, là on a combien? 3 bateaux. Ok, ça fait 400 balles du bateau. Bon, on a pété ça. Mais bon, j'ai l'impression que ça va d'un seul coup se soulever de partout. Avec plein de d'armées rebelles. Ça met vachement. Ça fait 3 tours que. Ouais, ça met un peu de temps quand même à se refaire ça. Mon assassin. Il a assassiné par là. Vas-y, continue d'avancer. Ça va nous éclairer pour voir un peu. Ok. Parce qu'a priori, quand on regarde la carte, hein, on se dit ouais, on est bien parti, mais non. Ça, je pense que c'est une feinte pour nous faire croire que ça va bien aller et tout va s'embraser d'un coup. Ah bah alors là. Ville assiégée, rébellion. Rébellion, ouais, rébellion, ribambelle de rébellion. Tiens, vas-y, va là-dessus. On le pète. Bon, le souci là. Ouais, non, il peut y arriver tout seul, lui. Il va y aller. Attends, j'hallucine ou quoi là? Ça, c'était pas prévu, ça. Faut aller par là. Ici, il y a un bout d'armée. Waouh, au niveau économique, ça va même être bien la merde. Toi, viens avec lui. Pou, 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 pou. Ah ouais. Ça va même être super la merde. Vas-y, répète-le. Je me demande si j'aurais pas intérêt à faire ma campagne en, comment dire,
En évitant les résolutions automatiques, ça doit coûter plus de vie que ce qu'il faut. Bon, toi. Armée. Hop. Tu peux pas sortir. Et on n'est pas censé gagner. Comment faire alors? Là ici, c'est quoi ça? Des rebelles portugais. Ah bah ouais. Il manquait plus que ça. Ah, 6. Et nous, on en a combien là? 5. Bon, on a plein de bouts d'armée partout et eux, ils ont plein de bouts de rébellion partout. J'espère que ça va pas me les faire popper à l'infini parce que on va s'essouffler à force. Bon. On va les reprendre position ici. Toi, provocateur, on va pas compter avec les sous. Là-bas, je vais le laisser. Il n'y a pas d'armée là-dedans. Si. Toi, tu peux sortir, ouais. Vas-y. C'est donc quoi? Ça reste toujours stable là. L'approbation des gens, donc ça va. Lui. On vient là. Toi. Toi, t'es pas en super forme. Va te planquer dans la forêt là-bas. Pamplune, ça gueule à fond. Bon, faut vraiment que je m'assure ce coin-là. On va abandonner peut-être une partie de l'Espagne si vraiment on a besoin. Ici, si je laisse faire, je vais être embêté avec les Anglais. Ce qu'il me faut, c'est... le financement colonial. Absolument. C'est où ça? Hoche. Dans le nord, ça, Hochi des mines. c'est où Hoche? Ah ouais, non, mais c'est petit nom aussi. Donc, Benavente, donc par exemple, si je fais ça. École supérieure Hoche. Est-ce que ça serait pas autour de Madrid, par exemple? Talavera Arena. Club privé. Engendre des espions. Ça nous sert à rien. Bon, de toute façon, nos développements de bâtiments, faudrait les faire plus par ici et par ici, près de la France. Leur péter tout ce qu'on peut péter en face. Bon, on verra ça lors du prochain épisode. Je vais essayer de me tenir à des épisodes un peu plus courts que la campagne avec EI, parce qu'une heure, ça fait quand même un peu long. Mais bon, parfois, on est pris dans l'élan, alors on n'a plus envie de s'arrêter. donc là, je vais essayer de me tenir sur des épisodes de 30 à 45 minutes. On verra aussi fonction des batailles, parce que si une bataille intéressante tombe et qu'on est arrivé aux 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, bon bah je la ferai quand même.
Ça risque de faire durer l'épisode encore une fois 1 heure, mais c'est pour la beauté. La beauté du spectacle. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt, c'était Curion. Ciao.